Salut les gars, eh bien le tour 6 du quart de finale du tournoi complexe. Donc je vois qu'on a détecté des gobelins. Donc on va aller voir ça. Oh putain, il y en a un paquet. Oh putain, ouais, mais c'est parce qu'on a Saucius, donc on va détecter toutes les baleines, tous les trucs comme ça, les faux contacts. Alors, on va déjà regarder les missions. All missions, quoi. Bon, alors. Là, je vois rien. Là, c'était une baleine. C'est quoi ça, Zelbes? Oh putain. LNG. Bon, baleine. Baleine. False target. Donc là, je vois rien. Je vais enlever les bouées. On y verra plus clair. Bon, bah, je vois rien là, dans la zone, ni autour. Là, c'est que du vert. Biologique fiche, ça c'est fiche. Bon, bah, il n'y a rien ici. Ça non, de toute façon, c'est pas des sous-marins. Ça, et là, il y en a là, ouais, ça en a détecté plein ici. Là, biologique, biologique, ouais, ils sont plein ici. Ça, c'est pas son sous-marin. Ça, c'est pas son sous-marin. Ça, bah non, c'est des skunks. Ça, c'est des skunks. Donc, non, il n'est pas là. Alors, il y a lui là. Mais ça m'étonnerait que ce soit son sous-marin parce que la zone, il devrait être entre eux, il devrait être plus proche ici. Donc, ça, je pense pas que ce soit son sous-marin. Alors, là, la flotte, on l'a fait partir plein sud, hein. Ils partent plein sud. Donc en fait, cette mission-là, elle sert qu'à une chose, à nous faire détecter notre flotte. Donc ce que je vais faire, je vais la pousser comme ça, qui participe à l'effort de recherche là-bas. Parce que là, proche comme ça, je pense pas qu'on ait un sous-marin qui soit juste là derrière nous, quoi. Parce que regarde, moi je suis là. Bon, c'est vrai que je suis allé sur la droite comme ça. Mais j'aurais pu aller vers lui. Mais bon, je ne serais pas déjà en mesure de le couler, tu vois. C'est sûr. Il s'est passé 3 heures, combien? 40, 4 heures? Même pas 4 heures. Donc 4 fois tout, j'aurais pu faire maximum. Ah, quand même, quoi. Ouais, j'aurais pas fait 120, quoi. Donc, tu vois, il peut pas être. Même en allant à fond, il va à 32 à fond. Donc si, il aurait pu faire quand même 100, 120. Hein. Bon. Donc on va le mettre comme ça. Un peu quand même éloigné. Et surtout, on va l'indexer. Alors attends, on va faire Deselect All. Et là, on va l'indexer. Donc on va faire Mixed Point, Fixed Bearing, tout le Saratoga. Voilà. Donc là, ils sont bien indexés sur le Saratoga. On fait participer à l'effort de recherche. Voilà. Je ne veux même pas qu'il soit trop près ici. Je veux pas que les hélicos fassent identifier ma flotte. Donc on va carrément les faire aller plus au nord. Voilà. Ok. Très bien. Maintenant, là-bas, j'ai pas trop envie d'aller chercher là-bas, quoi. J'ai envie de restreindre ma zone un peu ici où il y a mon sous-marin, quoi. Parce que de toute façon, même s'il était excentré, il me dérange pas là-bas, quoi. Il peut tirer, mais bon, c'est pas ces 8 pauvres tomahawks qui vont me faire très mal. Donc je pense pas qu'il fasse ça. Il faut tirer dans une cadre d'une frappe concertée. Bon. Alors maintenant, il y a le problème du SAM. Le problème du SAM. Le SAM. Alors, on va calculer combien de temps on l'a encore. Donc, on a 2211 kg de fuel et on en crame 42,6. Donc, soit 50 minutes, 52 minutes. Ça fait deux tours. C'est tour de 20 minutes. Donc, deux fois 20, 40, 20, deux tours et demi. Donc, dans deux tours, il est mort. Donc, il faut bien le garder parce que
Il va comment on va faire la on va faire la comment on va faire la frappe, il va nous décoller ses F-14. Et donc il faut venir un peu dans le champ là, le champ du SAM. Voilà. Alors ensuite, il faut que je marque mes points d'attaque. Alors, il y a un point à 30 et un point à 65. Donc ça, c'est 65. Je le déselecte. Je vais faire un deuxième point à 30. Voilà, 30 et 65, c'est les deux points importants, hein. Si on vérifie rapidement, si on vérifie rapidement, les walleyes, il est 62B, 30. Et on a les harpoons, ils sont derrière les harpoons, ils sont où? Ça doit être eux. Et les harpoons, ils sont bien à 65. Voilà, donc on a nos deux points d'attaque. Ok. Alors ensuite, on a nos missions. Donc, idéalement, on voudrait. Alors là, c'est mon tour. Donc, je vais envoyer la pause, je vais jouer mon tour. Après, il va jouer son tour et après, je récupérerai la main. Et j'aimerais bien pouvoir récupérer la main et être par là, quoi. Être là, en fait. Et avoir les harpoons qui soient là, prêts à tirer. Ou qui viennent juste de tirer ou qui soient prêts à tirer. Donc, il y a deux tours à faire. Donc, si mes gars vont à 300, qui est la vitesse ici, je crois. Non, je ne sais plus combien j'avais mis. . 414. 300, c'est ceux-là qui vont à 300. S'ils vont à 300, ils font 200 miles en 40 minutes. Tu vois, ils font 100 miles par 20 minutes. Donc dans deux tours, ils auront fait 200. Donc 200, ça les mène. Oh putain, mais c'est bon, ça les mène juste là, quoi. Dans deux tours. Tu vois, à la fin de mon tour, ils seront là à 100. On voit pas, ils seront là. Et à la fin du deuxième tour, ils seront à 200. À la fin de son tour à lui, ils seront là. Donc je récupère le fichier et ils seront en position de tir. S'ils sont encore en vie. À 300, s'ils vont à 300. Donc c'est nickel ça. Donc il faut faire aller tout le monde à 300 là. Donc, alors est-ce qu'on garde l'émission ou pas? Eux, ils sont sur la mission R415. Ouais, mais ils sont à Cruz. Je crois que je vais garder qu'une seule mission, en fait. Ou même pas, d'ailleurs. Ou même pas. On efface toutes les missions. On efface toutes les missions, sauf Rallye Hawkeye et F14. Non, on efface tout. F14, A7 et A6. On efface tout. On n'a pas plus besoin de ces missions. C'était pour les décoller, en fait. En fait, j'avais pas besoin d'en faire quatre comme ça. C'était une connerie. J'aurais fait qu'une seule mission, c'était pareil. Ils seraient peut-être même plus groupés, j'en sais rien. Peu importe. On va leur faire des points de. On va les gérer à la mano maintenant. C'est moins de source d'erreur, a priori, que des missions. Donc F14, on efface. A6. Attention, parce qu'il n'y a pas que des A6, hein. Il y a des A6B et des Zelint. On efface tout. A7. On efface. On garde Rallye Hawkeye. Par contre, on va la déplacer parce que là, elle va être. Elle se met quand même en risque. En risque important. Donc on va la faire plus comme ça.
Donc, maintenant, on n'a plus de mission. Il n'y a plus de mission. Ils sont tous unassigned. Donc, il y a plusieurs choses à faire, à mon avis. Alors là, on a un groupe de 12. Là, on a un groupe de 6. Lui, il faut. Ça, alors, tout ça, c'est quoi ça? Batman Rook, ça, c'est des Elint et des Jammers. Donc, on va tous les grouper. Et lui, c'est quoi? Rook, c'est un. Ben, si c'est Rook, c'est un. Ouais, c'en est un. Donc, on va grouper, on va faire un groupe avec tout ça. Voilà. Il est là, le groupe. Ah, ça fait deux groupes. Ah, bah oui, parce qu'il ne les groupe pas par. Il les groupe par famille. Donc là, il y a deux groupes, en fait. Ouais. Lui, eh ben lui, Rook aussi, c'en est un. Donc, il faut le mettre avec le groupe des autres Rooks, lui. Donc, c'est là, les Rooks. Rooks. Et Rooks 1. Donc, on les met ensemble, on les groupe. Voilà. Donc, ça, c'est des groupes. Groupe, groupe. Là, on a un groupe. Et ça, non, mais eux, c'est les Hawkeye. Donc, eux, on les laisse bien faire. Ils vont sur Rally Hawkeye. Il faudra bien vérifier qu'ils auront bien leur radar. Mais là, c'est déjà le cas. Et les lignes. Les lignes, c'est passif. Donc, mais le radar, il faudra bien qu'il l'ait. Et il faudra bien qu'il soit à l'altitude maximale. Et l'altitude maximale de ces bêtes-là. C'est 30 000. Et ils sont à 30 000. Les deux. Ok, c'est bon. Alors, avant de s'occuper des packages de frappe, il y a un truc qu'il faut faire. C'est que ce Sam. Donc. Ouais, donc c'est deux tours on l'a encore, mais on l'aura plus. Donc il faut organiser une mission ici pour être prêt à le détruire. Pour être prêt à le détruire. Pour être prêt à le détruire. Donc là, je vais faire Add New Mission. Destroy Sam. Et on va mettre ça en mission de support. Ok. D'ailleurs, c'est pas malin de l'appeler Destroy Sam. Hein, parce que si jamais je merde dans mes points, il va recevoir le message mission Destroy Sam à invalide polygone. S'il y a un bug, ce qui fait que c'est l'adversaire qui reçoit le message. Donc, on va l'appeler. Sam, tout court, Sam. Voilà, Sam tout court. Et là-dessus, on va mettre. Voilà, des Shrikes. Et il y a des CBU aussi. Si jamais les Shrikes suffisent pas, on ira lui lâcher des CBU sur la gueule. Et à mon avis, voilà, ça pardonne pas ça. Donc on va en prendre. Il y en a combien dans ce groupe? 6. Donc je vais en dégrouper deux. Bah les deux là, les deux premiers là, ceux-là je les détache, je fais comme ça, et là je les groupe, voilà. Donc là on a un groupe de deux, et lui on touche pas. Donc le groupe de deux, on va l'assigner à la mission Sam, et on va même lui donner un ordre de s'y rendre. Vérifions la mission Sam. Il faut bien lui remettre parce que du coup, il a à tous d'ailleurs, il va falloir le faire à tous. Hein, do not RTB. Et là, refuel not allowed. Les radars, on verra bien le moment venu. On a deux tours quand même, plus de deux tours. Alors. Maintenant, il faut gérer tous ces groupes-là. Et en particulier, les corsaires. Donc, c'est ces deux groupes-là. Le F-14, c'est un cas à part.
Là, on a un groupe de. Donc, de. Bah, il n'y a plus que 4 Shrike. Et on a le groupe, le plat de résistance, qui est notre groupe de d'A6. Donc, les premiers, les garde-tête, 200 miles. 200 miles, ça nous mène. Ben ça nous mène pile poil là au 65, à la marque des 65. Donc si on va à 300, en 20 minutes, on fait un tiers, donc on fait 100. Donc en 40 minutes, on fait 200. Donc pendant mon tour de jeu, on va faire 100. On sera là à la fin de mon tour. À la fin de son tour, on aura fait encore 100. Donc on sera. Attention. Les groupes de tête là. Je parlais des groupes de tête. Groupe de tête. À la fin de mon tour, on sera là, 100. À la fin de son tour, on aura fait 200, donc on sera là. Si on va à 300, donc c'est nickel ça. Donc il faut aller à 300. Il faut aller à 300. Donc ce groupe-là, Loiter, ça fait 300. Toi, Loiter, ça fait 300. Loiter, 300. Donc vous êtes nickel. Vous n'êtes pas loin derrière. Vous êtes à combien derrière? 10 miles. Vous pourrez aller un peu plus vite, mais pour l'instant, on vous laisse à 300. Donc vous, vous mettez à 300 aussi. Ou alors, ce que je fais, je leur fais un waypoint. D'ailleurs, il faut faire attention parce que il faut faire attention là, parce que le point, on va s'en servir pour faire nos trajectoires. Donc on va le mettre là. Il est 30. Bon, les 30, on va s'en servir aussi. Alors attention. Non, là, je l'ai trop poussé, hein. Alors, est-ce qu'on est toujours à 65 là? 67, 68. Ouais, 63, 64. Et lui, 30, il est bon toujours? 33. Ouais, c'est un peu plus. Bon, on s'en fout, c'est pas hyper précis. Donc, on va viser ce point-là. Donc, je disais, on met un waypoint ici. Et donc, on va les passer devant eux. Ah non, c'est les élites. Non, eux, les élites, il faut qu'ils restent derrière. Donc, on les laisse bien à 300. Il faut qu'ils restent derrière les élites. Par contre, eux, bah ouais, mais c'est pareil, quoi. On sait pas, quoi. C'est pas facile, quoi. Ils sont à combien derrière, là? Ils parlent, ils sont à 12 miles, c'est que dalle. Donc ils sont bons aussi. Donc on les laisse à 300. Vous restez à 300. De toute façon, le jammer, il marchera aussi bien. Le jammer, ça marche à des grands ranges. Alors, eux, vous êtes. Vous, c'est quoi? Vous, c'est différent. Vous, c'est l'F-14, c'est différent. Donc l'F-14, on vous donne une trajectoire. Et on va de toute façon aller là-bas du côté du waypoint qui est là, c'est le 65. Donc toi, ce qu'on va faire, on va te faire passer devant. Donc le groupe là, F2, donc il va passer devant. Donc on va le mettre à Military. Et par contre, au waypoint 1, on le remet à Loiter. Tari. Et là, Loiter.
Toi, il n'a pas pris Militarine. Ah putain, ça me tue. Alors je vais faire ça avec les groupes. On va devoir faire confiance à la machine, les gars. Donc on fait Military et au Waypoint 1, Loiter. L'autre solution, c'est de les affecter à Barcap. Ouais, c'est encore mieux. On va les affecter à Barcap. Voilà. Problème réglé. Et si on va les faire partir quand même. Donc, Barcap. Voilà. Et on va les faire partir un peu plus rapidement. À Cruz, ils vont passer devant les autres. Voilà. Et par contre, la Barcap, on va l'avancer. Pas tout de suite, à la fin du tour, à la fin de mon tour. Il faut pas qu'ils commencent à aller là-bas tout de suite, les avions. À la fin de mon tour. Bon, eux, on a vu qu'ils restaient à 300. Lui, c'est quoi? C'est l'F-14, on vient d'en parler. Lui, on a vu qu'il restait à Loiter. Alors, ensuite, on a ce groupe-là. C'est les 4. Alors lui, il faut lui donner un waypoint. Donc il va aller direction la frappe. Et la vitesse. Ils ont les Shrike. Donc on va les laisser à Loiter pour l'instant à 300. Et enfin, on a les A6. Alors les A6, ils sont un peu trop en retard. Ceci dit, les A6, eux, ils vont pouvoir tirer à 80. Donc est-ce qu'il faut pas... Ben, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus en avance quand même. Donc ce qu'on va faire, on va les mettre là-bas sur le point. Le point des 65. Ah oui, non, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire un waypoint ici et on le met sur le point des 65. Un peu plus loin comme ça, voilà. Et là, donc là, on leur demande d'accélérer. 415. Et au waypoint 1, on repasse à Loiter. Et d'ailleurs, au waypoint 1, il faut les passer à... Il faut les mettre à faible altitude. Hein, parce que les harpoons, ils peuvent être tirés à n'importe quelle altitude. Mais les walleyes, il faut 10 000 mètres. 10 000 pieds, pardon. 10 000. Launch altitude. Donc on va parler des altitudes maintenant. Alors attends, donc lui, on a vu, hein, lui c'est bon, il va rattraper un peu son retard là, et puis après, arrivé là-bas, au waypoint 1, il va ralentir. 415, et au waypoint 1, il va repasser à Loiter. Et lui, il va là-bas. Et lui, ah oui, si, alors lui, c'est pareil, il faut faire un point ici. Lui, c'est voilà, et donc il faut qu'il tire, faut qu'il aille à 30. Hein. Et il peut pas aller à moins de 10 000. Donc lui, en fait, il fera que ici, quelque part ici. Attends. C'est l'autre. Là, il a 36 000, mais au waypoint 1, il faut qu'il passe à 10 000. Sauf que ça, on sait pas si ça prend ou pas, quoi. C'est pourri, ça. C'est vraiment trop pourri, ça. Putain, les mecs. On sait pas si ça a pris la commande ou pas. Mais quoi, de faire foirer une mission, hein. Donc on verra bien où on est à la fin du tour. Normalement, à la fin du tour, ils ont tous fait au moins 100. Les premiers ont fait 100, donc ils seront là. Ils seront au milieu de la mission Barcap, là. Et là, on pourra planifier pour la fin. On pourra donner des altitudes.
Donc on donnera les altitudes en fait à la fin du tour, à la fin de mon tour. Bon, alors on vérifie que tout le monde a bien ses ordres. Lui, il est au CAI, donc c'est bon. Rallye au CAI. La 6, bon, ben, on en a parlé, hein. On ne va pas donner les ordres d'attaque tout de suite. Là, il y a un groupe qui part là-bas sur le SAM et un groupe qui va faire la mission. Alors par contre, voilà. Ah bah eux, ils n'ont pas de trajectoire. Émission au CAI, on l'a changée, elle est bien comme ça. On va vérifier les vitesses de la flotte. 27, 27, 27, 22 et 20, donc c'est bon. Et eux, ils ont tous une trajectoire qui est un point fixe à l'infini. Donc, si vous avez suivi mon cours de géométrie, bah, ça veut dire qu'ils ont des trajectoires parallèles. Non, parce que regarde ça, lui, lui, il prend des virages, lui. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est pourri, ça. Oh, putain! Et non, mon pote, putain. C'est ça mon point fixe? Ouais. Alors c'est le seul qui déconne, lui. Il faut même le recadrer un petit peu, lui, hein. Non, c'est loin le plus possible, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. D'ailleurs, c'est pas une bonne idée de l'indexer, elle. C'est pas une bonne idée de l'indexer cette mission. Bon, ça changera pas grand-chose. Ça changera pas grand-chose. Juste l'agrandir un peu ici. Comme ça, il contribue à l'effort là, dans la région, les hélicos. Ils vont contribuer dans la dans, ils vont contribuer à l'effort de recherche. Bon. Ah oui, alors allons voir quand même les avions sur le porte-avions. Donc les Sea King, on en a encore plein. Oh putain, mais des S3 Viking, on en a plein, mais il faut en envoyer plus, hein. Il faut en envoyer plus là. C'est ASW. C'est ASW Fleet et Sud. Donc c'est Sud. Conflict pour ignore petite course. Alors, ASW Sud.
SW Sud. Alors pourquoi? Je vais vérifier quand même pour être sûr. Si je regarde sa doctrine à lui, il est sur IAS, tu vois. Alors, ce qui je fais SW Sud, donc je repense à la doctrine qui est là. Il a non, mis en petite course non. Est-ce que je veux ignore petite course d'ailleurs pour la SW? Ouais, on peut mettre oui, hein, ignore petite course. On peut mettre oui. S'il voit un contact, vu que j'ai mis en free, il voit un contact, comme ça, les hélicos par exemple, là, je leur ai donné une course. Donc, j'aurais donné une course, je vais vérifier lui, alors du coup, qu'est-ce qu'il a? Je finis ma phrase après. Alors, bon. Il fallait le fermer, le rouvrir. Alors, pourquoi il n'ouvre pas là? Donc là, il a yes maintenant. Ouais, si je lui ai donné un ordre là. Je lui ai dit, tu vois, regarde, je lui ai donné une course. Mais si jamais il détecte le sous-marin ici, ben je veux qu'il puisse dévier pour aller le chercher. Donc en fait, ouais, on va faire yes, ignore petite course. Et donc je vais regarder là, les Diamond Cutters. Ils sont où d'ailleurs? Ah ben là, il y en a un. Là, il y en a un, Diamond Cutter. Donc je vais regarder s'ils ont bien ignore petite course aussi. C'est si on fait une action spécifique à la mano, une attaque à la mano, là je remettrai non sur ignore petite course. Voilà, ils ont tous yes, donc c'est bon. Je vais remettre les bouées 2 secondes pour voir où est-ce qu'elles sont. Voilà, on a bien quadrillé là. J'ai envie de la raccourcir, j'ai envie de concentrer un peu les efforts ici. Si jamais il est par là. S'il est là-bas, il m'embête beaucoup moins, quoi. Bon, on verra bien. Ok. Bon, bah écoute, je crois que les ordres sont donnés pour tout le monde. Ah non, il y a la mission Barcap. Alors attention, la mission Barcap, il faudra qu'elle. Alors, notre groupe de tête. Alors, j'enlève les bouées. J'enlève les bouées. Qu'on y voit plus clair. Le groupe de tête. Il sera à 100 à la fin du tour. Enfin, il sera au milieu de la mission Barca. Donc c'est bon. Donc la mission Barca, on va même pouvoir la réduire comme ça. Pour pouvoir commencer à ramener tout le monde là-bas aussi. Et on va même leur faire prendre un peu d'avance. Et les 67B, les RIM 67B, ils ont une portée de combien? 80, non? Anti-air 80. Donc anti-air 80. On va marquer un point à 80 là. Alors c'est de son 67B. Bon, c'est pas grave, hein. C'est l'épaisseur du trait. Donc on va le faire comme ça. Donc on a le point à 67 et 80. Ah bah oui, bah on le voit, on a besoin de le marquer, on le voit, il est là. Donc on va même pouvoir se rapprocher encore un petit peu en prévision de la sortie de CF-14, hein, parce que là, ça va faire une boucherie, les mecs. Et en plus, il en a un paquet, il va nous en sortir un paquet des F-14. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas intérêt à réduire aussi ici? Commencer à ramener tout le monde dans un périmètre plus serré. Qui est le périmètre qui va contenir l'essentiel de la frappe. Voilà. Là, et donc, 415. Et là,
Il repasse à la hauteur. Ok les gars, bah, je crois qu'on va envoyer la sauce comme ça. On va envoyer la purée. J'ai presque envie de le désindexer, lui. Putain, j'ai pas envie de l'indexer sur le truc parce que nous, on s'en va. Son porte-avions, son sous-marin, on va pas le retrouver par là-bas. S'il est quelque part, il est par là, quoi. Il peut pas être si loin. Parce que regarde, moi, je suis là, quoi. Il doit être à peu près à la même distance des îles, donc à la même distance de la flotte. Donc même s'il m'avait détecté, ce qui n'est pas le cas, il ne m'a pas détecté. Mais même s'il est parti, ouais, si, s'il est parti à fond, s'il est parti à fond par là-bas, il s'est passé combien? Il s'est passé 3 h 30. En 3 h 30, il a pu faire à 32 nœuds, il a pu faire 100 nautiques miles, 100 miles. Donc s'il était effectivement, s'il était là, il serait, ouais, il est par là, tu vois. Même si, voilà. Bon, on sait pas exactement où il était, quoi, mais ça m'étonnerait qu'il soit plus là-bas. Donc je vais les désindexer en fait, je vais pas l'indexer. Donc je vais faire deselect all reference point et je vais les sélectionner les 4. Saratoga et je vais faire remove relativity. Voilà. Voilà. Allez. Bon, ben on va bien voir ce qui se passe. On n'a pas touché les hauteurs, donc c'est trop tôt. C'est à la fin du tour qu'il faut régler les altitudes. On verra bien où on se retrouve, comment les avions se retrouvent les uns par rapport aux autres. Lui, je me souviens plus ce qu'on a dit pour lui. On va pas le faire rattraper un petit peu. Si, c'est les corsaires avec des shrikes. On va le mettre à 350. S'il vous plaît, on va le mettre à 350. Voilà. Ok les gars, bon ben j'espère que j'ai rien oublié. Si je peux avancer un petit peu l'émission là d'AEW. Voilà. Pour gagner un peu, parce qu'on est vraiment à la limite du range, tu vois là. C'est ric-rac, hein. On a la marge de sécurité, elle n'est pas grande. Si on le perd, c'est la cata, quoi. Et on vérifiera les WRA tout à l'heure, à la fin du tour. Attention, le sous-marin, il faudrait que je lui change sa vitesse. Que je vérifie sa vitesse. Parce que ça sert à rien, on rattrapera pas là. Je le faisais aller à 20 nœuds, tu vois. Putain, 20 nœuds, on va pas rattraper. Et quoi que j'en sais rien. Bon, allez, on le laisse aller à 20 nœuds. On le laisse aller à 20 nœuds. Pourquoi pas même à fond, d'ailleurs. Comme ça, à fond. Non, parce qu'il y a dans 40 minutes, on fait la frappe. Donc il n'y sera pas. Il n'y sera pas. De toute façon, il n'y sera pas. Il n'y sera pas. Le point de frappe, c'est là, je crois. 250. Donc tu vois, il y a 100. Donc même à 30, il lui faut 3 heures pour y aller. Donc il n'y sera pas. Donc non, ça sert à rien. Donc toi, hop, tu vas à creep. Tu vas même à stop. Hein. Tu vas à stop. Bah non, tu vas à creep. Et on va te varier un peu d'altitude just under the layer. Void cavitation impossible, mais ça fait rien. Ceci dit, si on rate notre frappe, on sera content de l'avoir là-bas. On sera content de l'avoir plus tard dans la partie. Donc non. On le fait aller à full. Pourquoi pas même flank? Full. Full à just under the layer. Allez. Cavitation impossible. J'ai bien coché avoid cavitation. Et l'autre, par contre, lui, il est en position de tir là-bas. Donc il faut pas qu'il se fasse gauler, lui. Alors lui, c'est le moment de te mettre à stop. Parce que lui, en 40 minutes, ils vont à 5 nœuds en plus. Putain, ils vont à 5 nœuds. Donc même s'ils vont à 20 nœuds, en 40 minutes, ils vont faire moins de 20 nœuds. Donc ça va pas changer la couleur du schmilblick, hein. Tu vois, 250, ils peuvent aller loin. Donc lui, on le laisse comme ça, on le laisse à 5 nœuds. Non, à stop même, j'ai dit. Voilà, à stop. Et la profondeur, j'ai mis quoi?
Cache under the layer. Par contre, il faudra le remonter pour faire la frappe. Ah oui, d'ailleurs, attention. La frappe, il faudra le remonter. La frappe, il faut la faire quand? À la fin de mon tour, là. Là, à la fin de mon tour, il faut que j'envoie le... il faut que j'envoie les... il faut que j'envoie la purée, là. Hein. On est à 150. 150. Le TASM, ça vole à combien, le TASM? Ça vaut la 500. Donc un tiers. Donc en 20 minutes. En 20 minutes, il y arrive. Donc, il ne faut pas envoyer maintenant. Parce que si j'envoie maintenant vers la fin de tour, il est prêt à taper. Si j'envoie à la fin de mon tour, à la fin de mon tour ou à la fin de son tour. Oh, je sais pas là. C'est sûr que c'est pas maintenant. Donc, on se posera la question le moment venu. Ok, bon, bah, je crois que j'ai rien oublié. Je crois que j'ai rien oublié. Toi, je vais te faire refaire partir par là. D'ailleurs, cette mission ASW Transit, on laisse tout à 200. Non, parce que sinon ça va faire comme l'autre fois. Je lui donne un ordre ici, il va passer à 12 000 pieds, et il va, voilà. Donc là, il restera à 200 pieds pour faire le transit jusqu'à ce point ici. Ok, bon bah je vais envoyer comme ça. Hein. Allez, courage, c'est parti. Ah, attention, j'entends des bips, il faut mettre la message log. Separate window, new contact bogey. J'espère qu'il ne décolle pas déjà ces avions, quoi. Est-ce que c'est calme là-bas? Attention, c'est quoi ça? C'est un Okai. Il a 30 000 pieds. Il va nous détecter, c'est sûr, mais bon. Alors là, comment ça se présente? Ouais, eux, ils ont bien pris la trajectoire qu'il fallait. Et eux, ils vont bien à 415. Et ils vont à 414. Pourquoi ils vont à 414? Je leur ai dit 350. 405, 300, 300, 300. 415, 415. Et eux, il fallait les mettre à Loiter, putain. Bon, là, les échos, il remonte. Lui, il a bien fait son demi-tour. Il est bien à 200 pieds. Là, le Diamond Cutter ASW, il va refueler. Je me souviens plus, j'ai pas regardé l'heure. 18 minutes il reste.
Donc 18 minutes. Donc 18 minutes, ça fait quoi? Moins 10. Le tour finit à moins 10, c'est ça? Alors, les hélicos, là, il faut. Attention, là. Là, il faut lâcher des bouées, quoi. Je sais plus les. Il faut les mettre, les bouées, là. Ah oui, il y en a plein, là, des bouées, là. Oh là là, là, on en a plein, là. Avec le saucus, putain, on devrait le détecter quand même, ce. Ils ont plus de bruit ou quoi? Les hélicos. Ça c'est, tu vois, ça c'est mes F-14 qui se rapprochent là-bas. La gueule du package de frappe, c'est quand même assez, c'est pas groupé, c'est assez disséminé. Hein. Mais les écarts font se, tu vois ce qu'ils vont à 415, donc là les écarts vont se réduire. 300, 300, 300, 405. Ouais, ça c'est sûr que je voulais pas qu'ils aillent à 405, mais bon, tant pis, trop tard. 415. Son sous-marin, il n'y a rien à faire. Hein. Avec toutes les bouées qu'on lâche, avec tout le monde qu'on a sur le coup, là, on n'arrive même pas à le choper, quoi. Putain, avec le saucus. Quand je clique sur Sosus, ça les allume tous là. Y a rien qui décolle là-bas. Donc il n'a pas donné d'ordre, à moins qu'il ait mis une mission, tu sais, à temps différé. Où tu peux régler la minute que tu veux, donc ça veut rien dire. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Bogey. Biologique has been classified. Biologique has been classified. Mais ça, c'est. Ah non, 8h41 p.m.
Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, c'est lui, j'avais recadré, ouais. Et oui, ils suivent. Non, c'est bon en fait. Il est à 6, toujours derrière, mais bon. Dans 3 minutes, ça finit. Donc, ils n'ont pas fait leur retard, hein. Ils ont fait que dalle de leur retard. 415, 300 et 415. Ils vont à 115 de plus. Donc, en 20 minutes, ils auraient dû faire. 100 divisé par 3, quoi. Tu vois, 30. Ouais, bah c'est peut-être ce qu'ils ont fait, j'en sais rien. On est à combien là? Ah oui, on n'est plus qu'à 10 derrière. Eh oui. Et 20 derrière les premiers. Gobelin. Gobelin, gobelin. Attention. Pause. Bon, c'est pas par ici. Gobelin. Mais bon, on s'en fout de ça. C'est un faux contact. Ah, attention. Attention, zone d'incertitude terrible. Il peut être n'importe où, là. Ah, il peut être n'importe où. Attention, attention, attention. Il pourrait être là. Il peut être n'importe où. Il peut être n'importe où sur cette sur ce trait. Là, il faut attendre d'affiner le calcul. Et une seconde, on l'a perdu. On ne connaît pas sa vitesse. Estimé 833. Ouais, bon, ça doit être un faux contact. Attention parce que s'il est par là, il pourrait être proche de mon sous-marin. Hein. 11 minutes encore. Ah non, ça finit donc pas à 50. Pourquoi j'ai calculé ça comme un con, moi? 11 minutes encore, donc à l'heure pile. Eh oui, ils vont être par là, mes avions. Il faut affiner ce calcul là pour ce contact, hein. Parce que vu que tous les trucs qu'on a détectés jusqu'à présent. Tu vois, tout ça c'est des mais on sait pas où ils sont, quoi. Putain, s'il est juste devant, là, il va nous détecter, il va nous tirer dessus. Bon, ceci dit, avec tous les avions. Oh, tiens, j'avais décollé des. Oh, je les ai pas décollés. Je voulais décoller 2 avions de plus, là, du porte-avions. Pour renforcer la SW. Ah, putain, je l'ai pas fait, je crois.
Ça a de la gueule quand même, hein. 36 000 pieds. Il va falloir plonger là. Donc là, on a les Tomcats qui passent devant, c'est normal. 300, 300, ça on aime bien. Et eux qui font le retard. 415. 4... Alors eux, c'est qui? C'est les corsaires. Ça, c'est bon, ça reste derrière. Ah ben c'est bien que les corsaires, en fait, ils soient là. Hein. Parce qu'ils sont là, les autres corsaires. Eux, ils sont équipés avec quoi? Ils sont équipés. Ouais, il n'y en a que 4. C'est les Shrike. Ils ont toujours à 5 nœuds. Ils restent à 5 nœuds. Minutes encore, putain, ils vont se faire. Alors, ça m'embête un peu que les. Il va falloir les accélérer un peu. Parce que eux, je voudrais bien que s'il y en a qui se fassent dégommer, je veux que ce soit eux en premier. Hein. Donc, eux, il faudra les accélérer pour les mettre en. Avec les jammers là-bas en premier, et puis. Qui servent de leur, qui servent d'appât, quoi. quatre cent quinze. 300, 300. Donc là c'est bien à 415 mois, il y a... en fait c'est bien, on va arriver pas mal groupé en fait. Les calculs étaient plutôt bons, on va arriver plutôt bien groupé. Et eux un peu derrière, et c'est bien qu'ils soient derrière les... Il faudra qu'ils restent derrière, et après il faut remettre tout le monde à... Alors je sais pas si on peut mettre tout le monde à 400 quoi, ce serait pas mal, mais bon. Parce que attention, dès qu'il va me décoller... Ah oui, après il y a la question du auto-évasion, il faudra les enlever aussi, les auto-évasions. Sinon, ils risquent de pas tirer leur, ils risquent de pas tirer leur missile. Ceci dit, si j'enlève auto-évasion, je vais sûrement faire dégommer un paquet. Hein. Non, on va pas l'enlever auto-évasion, on va le laisser. J'ai tout fait toutes mes frappes toujours avec auto-évasion. Et ça n'a jamais posé de problème. Il est où ce putain de sous-marin? Putain, mais là, ce Sosus-là. Donc attention, si le Sosus qui est là a détecté un truc, c'est pas là-bas à 40 milliards de kilomètres. C'est. Si c'est ce Sosus-là qui l'a détecté, j'ai envie de dire qu'il est par là, quoi. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Hein. Enfin, c'est une bonne nouvelle dans le sens où j'ai des hélicos, j'ai. J'ai pas mal d'ASW, mais s'il est là, par exemple, c'est juste en face de mon sous-marin, qui va à 25 nœuds. Et ouais, est-ce que je ne voudrais pas prendre trop de retard par rapport à sa flotte si je voulais faire une deuxième frappe? OECM.
On a toujours un super bon contact sur son porte-avions. Bon, on n'a pas de sous-marin. Bah, je suis déçu là, avec ce quadrillage qu'on a fait, quoi. Il doit être dans un creux là, comme ça. Ou par là, carrément. Ouais, c'est vrai qu'il peut être par là, hein. Et là, on cherche pas. Hein. Ouais, bah, c'est ça, il est par là. Parce que là, on l'aurait trouvé là, quand même. Alors, à moins qu'il soit à l'arrêt total. Il doit être profond, à mon avis. Donc les A6, je vais les passer à 200 pieds. Hein. On va regarder l'état de leur fuel, mais je vais les passer à 200 pieds. Et le maximum, tout ce que je peux passer à 200 pieds, je le passe à 200 pieds. Regarde-moi ça. Ça, c'est des AGM-62. Ah, attention, qu'est-ce qu'on a trouvé? Boguet. Puis il faut faire attention de ne pas tirer sur les hélicos. Hein. Bogey, torchbearer. Ouais, mais c'est des hélicos, on s'en fout, quoi. On s'en fout de ces hélicos. On va même pas leur tirer dessus. Et vous allez où là, Billy Byler? Ah non, vous n'allez pas commencer à vous remettre là-bas, quoi. Gobelin. Pareil, il peut. Ah bah ce coup-ci. Ouais bon. Oh c'est bon, il fait demi-tour. Oh la frayeur que j'ai eue. On se rapproche de la zone dangereuse là. Maintenant, si on a tous ces avions-là, on a un gros paquet. Il va pas pouvoir tirer sur tout le monde là. Alors je sais pas combien de temps il va lui falloir pour décoller tous ces F-14. Il y a déjà 2-3 minutes pour ce qu'ils puissent décoller. Et après, ils vont y aller au compte-gouttes. Donc nous, je vous rappelle qu'il faut qu'on arrive. Ah ben je l'ai pas mon point. Mais mon point à 65, il est là. Ça c'est pour les A6. Et pour les A7, 30. Et pour les Shrike, j'y crois pas aux Shrike. D'ailleurs, c'est les Shrike qu'il faudrait envoyer en premier pour qu'ils servent de chair à canon, quoi. Eh ben tiens, c'est parfait ça, justement, quand on parle du loup. Et attention, qu'est-ce qui se passe là? 405? Ah oui, c'est le tome 4, c'est parfait ça, c'est bon. Les corsaires, eux, ils ont les walleyes, donc eux, il faut pas qu'ils se fassent dégommer. Par contre, eux, et eux, ça c'est les shrikes, et ça c'est des shrikes. Ça c'est ceux-là, ils peuvent se, c'est ceux-là qui doivent se faire dégommer. Là, il y en a 4, et là, il y en a 6. Et eux, on va les faire plonger à 10 000 pieds. Oui, il faut les accélérer un peu. Attention, 2 minutes 40. Alors finalement, l'autre gobelin, on l'a perdu là-bas. Loguet.
Et maintenant, on a tous nos F-14 qui sont devant et qui vont nous permettre, de, quand il va décoller ses F-14, à lui, on va faire dogfight. Bon, il sera en grosse supériorité numérique. Skunk. Il sera en grosse supériorité numérique. Mais bon, il a un paquet de missiles, c'est sûr. Hein. Mais bon, les missiles ne sont pas super précis. Et on va quand même pouvoir avancer. J'espère qu'on pourra arriver au moins les assises sur le point de 65 nautiques miles et puis sortir tous nos 40, je crois que c'est 40, je crois qu'ils ont 4 chacun. Hein. 40 harpoons. Putain, mais 40 harpoons, ça fait mal ça. Si avec un peu de chance, on pouvait partir lancer les walleyes, je sais plus combien on en a, mais il y en a bien au moins une vingtaine, une quarantaine aussi, je sais pas. Ça, c'est le corsaire qui patrouille pour le autour du. Et puis en plus, on a eu lui, on a le SAM qui va tirer, quoi. Sur les F-14, si les F-14 sortent un peu de la zone. Alors. Bon. Là, je ne sais pas comment gérer la barre cap maintenant. Oui, ils vont avancer. Faut les faire avancer avec le package de frappe maintenant. Donc il n'y a plus de barre cap qui tiennent maintenant. Alors, si je prends la mission barre cap. Tiens, d'ailleurs, je vais en rajouter des avions là sur la SW. Putain, j'ai. Pensais le faire et j'ai dû oublier. Ah mais si j'en. Ah mais non, c'est ça. Ah mais si j'en ai envoyé alors. Là, il en reste 5 qui n'ont pas décollé. Donc on en fait partir 2 de plus. Allez, individuellement. Parce que les autres, au niveau fuel, ils donnent quoi? Lui, il est bien. Lui, au niveau fuel, il est nickel. Lui, à lui, il est dead. RTB bingo. Lui, il est refueling. Et pourquoi il y en a un qui est bingo et l'autre qui est refueling? Ouais, il est bingo, lui. Ben, je sais pas. Lui, il est bingo. RTB. Et pourquoi il va pas au refuel? Parce qu'il a peut-être à peine de quoi y aller, en fait. Ah, les boules. Et lui, il est plein, lui. Et lui, il a quoi? Il a tout, alors. Il a quelle hauteur? 200 pieds.
Bien. Alors passons aux choses sérieuses. Alors, l'émission Barcap, c'est ça que je voulais voir. Donc on en a un qui est tout seul, mais il est à la base. Ensuite, on a ces sluggers-là. Alors lui et lui. Donc eux, ils sont bien. Et c'est ceux qui vont avec la frappe. Donc ceux-là, ils vont nickel. Il faut les repasser à Loiter. À 300. Là, c'est quoi ça? Eux. Ouais, ça, on est content qu'ils soient devant eux. Ils repassent à Loiter, 300. Ou là, on met tout le monde à plutôt, on fait l'inverse, plutôt, on met tout le monde à 415. À Cruz. Donc 405. 415, ils vont passer devant eux. C'est embêtant, ça. Pour leur donner de la vélocité quand même. Ça peut même être un military. Et toi? Et l'int, pareil, on va te mettre à Minitari. Et toi? Lui, c'est le plus important. Donc s'ils sont tous à 415, là, on le laisse à 415 comme ça. Alors, là, c'est les trucs. Alors eux, à la fin du tour de l'adversaire, ils auront fait ben, un peu plus de 100, parce qu'ils ont fait 138. Donc ils seront là. Hein, s'ils sont à 400, s'ils sont à 400, divisé par 3. 133. Donc à la fin du tour de l'adversaire, 133, ils auront tiré. Ils auront tiré. Alors là, il faut virer la mission Barcap et on les gère tous à la main, on leur donne une trajectoire d'accompagnement. Seulement ils vont se rentrer, on va rentrer dans le range là. On va rentrer dans le range du croiseur. Des 67B, des rimes 67B. Et ils nous laissent approcher, il n'y a pas de dogfight, quoi. Donc il y a eux qui arrivent. Ensuite, il y a ce flight-là. Essence, ils sont pas super. Hein. C'est no unit do not RTB. Ensuite, on a lui là. No unit do not RTB. Ensuite, on a Slugger 6 qui est là. Au niveau fuel, il n'est pas génial. No unit do not RTB.
faut que je vire la barre cap, il faut qu'on arrive en gros, un gros paquet compact comme ça, un énorme paquet compact. Le problème, c'est que s'ils n'ont pas une barre cap, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Ou alors la barre cap, je la mets comme ça. Ça, c'est le point à 30. Et ça, c'est le point à 65. Je la mets comme ça. Eux, ils arrivent. Donc, on fait un couloir, en fait. Ils vont rester dans le couloir. Mais pour pas qu'ils y aillent trop tôt, je lui fais faire un petit crochet comme ça. Et après, je le renvoie là. Et après, on laissera se démerder. Et la vitesse. Cruise. Toi. Pareil. Donc t'es un F14, on te met à cruise, je te fais faire un petit crochet aussi, et tu retournes par là-bas. Ensuite, toi, tu as ton crochet, alors on va vérifier. Donc Slugger 7, eux, ils arrivent bien comme il faut. À quelle vitesse ils sont? 405, donc c'est bon. Attention, parce qu'ils sont à 415 derrière. Donc lui, il faut accélérer un petit peu en fait. En fait, lui, il faut lui donner. Il faut lui donner Military. Military ici. Military et waypoint. One, on repasse en cruise. Et le waypoint one, il faut pas le mettre trop loin. On va le rapprocher. Ah, j'arrive pas à le choper, putain. J'arrive pas à le choper ce waypoint. Donc je recommence, je le fais un peu moins loin. Et là, on fait comme ça. Donc là, je le mets à military et au waypoint 1, tu passes à cruise. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est les mêmes. Ensuite, à ce flight là, alors comment il est? Lui, il est carrément excentré. Donc lui, il va à quelle vitesse? Il est pareil, il faut qu'il soit un peu plus en avance. Donc on va le faire aller comme ça à military. Et là, on lui redonne du. Donc là, il se met military. Et waypoint 1, il repasse à cruise. Et comment il est? Il a bien le no, hein, parce que lui, il est ric-rac au niveau fuel. Non. Et lui donc, attention, qu'est-ce qu'il a lui? Oui, si, si, c'est ça, ils sont deux. Ils sont deux. Lui. Il a bien un nom. Au niveau du fuel, il est ouais, correct. Donc on va le mettre comme ça. Et comme ça, et on lui met donc bien military maintenant, et au waypoint, on repasse à cruise. Lui, il fait son petit crochet comme ça. Alors, est-ce qu'on le met pareil? On le met à military?
Non, lui, on laisse tout à Kroos. Kroos, Kroos. Le temps qu'il arrive là, eux, ils vont se retrouver ensemble avec ceux-là. Qui sont les F-14. Alors après, j'ai le problème là des corsaires avec les Shrike. Et j'ai l'altitude qu'il faut régler. Alors. Et ça, c'est les corsaires avec les Wallah. Donc ça, je veux pas qu'ils aillent trop vite, ceux-là. Cruise 415, ouais, on peut pas tellement faire mieux, hein. Cruise 415. Et si c'est oui, non, c'est pas ça, c'est eux que je voulais accélérer. Voilà. C'est le A6B. Ceux-là, je veux les accélérer. Ah ben ils sont accélérés déjà. Ils sont à Military. Ils y sont à Military. Et ils ont bien l'offensive ECM. Je vais regarder quand même en détail. Ouais, jam. C'est bon. Voilà. Alors eux, par contre, il faut passer à 200 pieds. Ils ont largement de quoi faire en niveau essence. Ils ont tous largement suffisamment d'essence. Donc on les met tous à 200. On a des nuages, on a une couche nuageuse. Hein. Ensuite, les voilà, il faut les mettre à 10 000. Les Shrike, il faut les mettre à 200 aussi. Ça, c'est les Wall-Eye. Donc, eux, c'est 10 000. Dix mille feet. Je sais pas dans quel état on va récupérer le fichier, mais ça va être une boucherie s'il décolle ces F-14. Ça, c'est les élites. Alors les élites, on n'en a rien à foutre. On les balance à Military et on les met à quelle hauteur? Ouais, 36 000. C'est eux qui vont capter l'attention des. Comme ça, ils vont capter l'attention des F-14. Lui, donc, lui, on a vu qu'il passait à 200 et qu'il restait à Cruz à 415. Et lui, à 300, pourquoi 300? Ouais, non, il passe à Military. Et il reste à 36 000 pieds. Hein, et ils ont bien tous leur jammer. Ok. Il y a lui là qui passait à Loiter. Sam. Mission Editor. Sam. Station Loiter. Donc est-ce qu'ils y sont à Loiter maintenant? Ouais, ils sont à Loiter, donc c'est bon. Lui, il doit plus lui rester grand chose dans le réservoir. Et ouais. Et ouais. Donc il lui reste 1360. 1360 divisé par 42, 3. 31 minutes. Donc il va encore faire un tour. On le récupère normalement à la fin du tour. Et à la fin du tour. À la fin, quand je récupère le fichier, on donne l'ordre d'attaque de détruire le SAM. En fait, le SAM, il va servir que pendant ce tour-là, s'il décolle, donc s'il décolle d'F-14. Alors, qui est-ce qui détecte sa flotte? Ouais, il est bien à l'intérieur, là. Hein. Il est bien à l'intérieur.
Torchbearer 3 qui va sur Rally Hawkeye. Rally Hawkeye qui est là, donc on va pas le perdre, on va au contraire améliorer on va améliorer le contact encore. Très bien. Et si on le perd derrière? Le Ranger. Derrière, on a Torchbearer 2, Torchbearer 1. On a toute la fine équipe. On est free en subsurface et tight en surface. Free en subsurface, free dans les airs. Alors les WRA. Alors on va faire au niveau du groupe. Alors les WRA. Les WRA pour les harpoons. All. All weapon. Alors je sais pas lequel essai, mais carrière, on s'en fout, de toute façon on met ça comme ça. Et sur les autres, do not use. Et j'en sais rien, putain. Ah, j'en sais rien. Non, on va pas mettre do not use. On va laisser. Target missile défense. On va le laisser. Parce qu'il y a une autre solution qui consisterait à essayer de tuer le maximum de bateaux possible. Là, j'essaye de tuer son porte-avions, ça fait game over là. Hop, c'est fini, on a gagné. Allez, donc Shift F1. Donc ça, c'est les harpoons. Harpoon. Donc Shift F1. USS Ranger. Ah, c'est ce qu'il a à bord, ça. 7 small anti-submarine warfare. Eh oui, qui c'est qui nous a donné ça? 7 small électronique. Tu vois, 14, c'est les small fighters, c'est les F-14. Les S-3. Je sais pas qui est-ce qui a spoté ça, mais on les a spotés. Alors, 4. Allez, 4. 4 harpoons. On envoie tout sur le porte-avions. 4 harpoons. C'est bon, hein? Bon, bah là, ils ont tous leur ordre. Ensuite, eux, ils n'ont pas de missiles. Eux, c'est les Batman, ils ont pas de missiles. C'est les Lint. Ici, les Walleye. Alors, les Walleye, on met tout sur le porte-avions. Tout sur le porte-avions. Donc ils en ont deux.
On envoie tout sur le porte-avions, sur le Ranger. Ok. Les Shrikes. Alors là, les Shrikes, ça c'est bien plus embêtant ça. Les Shrikes, on pourrait les envoyer sur n'importe qui en fait. Les Shrikes, on va pas forcément mettre sur le porte-avions. Alors je sais plus lesquels c'était les Shrikes. C'est ça les Shrike. Faut faire. Alors, je sais pas comment faire. Je vais faire Shift F1. Canisteo, on l'enlève. Santa Barbara, on l'enlève. Et on va mettre sur le Ranger. Sauf que si jamais si jamais il allume pas ses radars, on tirera rien, quoi. Il faut en mettre sur le kid. Non, c'est pas le kid. Faut tout mettre sur le sur celui qui est 67B. Là, c'est lui, ouais, c'est ça. C'est lui là. C'est le Fox. Fox, toi, ah ben on peut pas tirer, on n'a pas les, on n'a pas là les Shrike, on n'a pas, on peut pas. Ah si, là on peut mettre là, on peut mettre sur le Ranger, pas sur le Fox, pourquoi? Il a bien ses radars allumés. Émission. Et pourquoi on pourrait pas mettre sur le. Ils émettent alors maintenant. Ils ont leur radar allumé. Pourquoi je peux pas mettre sur le Fox là? Tu vois, je les perds, mais je perds mes Shrike. Bon, pas dans ce cas-là, il faut mettre sur le porte-avions. Donc dans ce cas, on met tout sur le porte-avions. Vu qu'on peut viser, il faut envoyer. Allez, comme ça qu'on va faire. Attention, est-ce que j'envoie bien les Shrike là à chaque fois? Et non, tu vois, j'ai envoyé des. Il faut tout envoyer. Les Shrike et les machins. Les Shrike et les GBU. Tu vois, il y a les deux CBU et deux Shrike. Lui, il a bien deux CBU et deux AGM. Là, ils sont alloués déjà. Donc eux.
Voilà. 2 CBU, 2 AGM. Pareil, pareil, pareil. Pareil, pareil. Et tout sur le Ranger. Ouf. Donc je vais vérifier qu'ils l'ont bien. Alors, je sais plus qui j'ai fait, qui j'ai pas fait, quoi, c'est terrible, quoi. Ça, c'est les Shroud Sunliner. Alors, est-ce que j'ai fait là? Non, je les ai pas fait. C'est deux et deux. Deux et deux. Deux et deux. Deux et deux. Et ça, c'est l'F14. Alors, la doctrine des doubles, la doctrine des. La doctrine, alors il faut aller sur Barcap, il faut voir la doctrine des AGM 54, des AIM 54. Do not use. Donc on veut uniquement tirer sur les F14. Tout le reste c'est do not use. Guided weapon, ouais, on les veut les guided weapon. Donc c'est. Hélico, c'est le plus important, do not use. Guided weapon, ouais. Do not use. Et c'est, on met ça tout sur les F14. Et c'est bien la mission Barcap. Alors pourquoi lui il n'a pas de petite trajectoire là? Ah si, elle est là. Il revient un peu en arrière. Et c'est tout, hein. Et on a lui là encore. Et ils sont tous sur Barcap, hein. Donc il faut vérifier encore une fois Barcap et qu'ils aient bien. Ah oui, ignore petite course. Yes. When attacking, ignore petite course. Et automatic evasion. On va tous laisser sur automatic evasion, yes. J'espère que c'est pas une erreur. Mais bon, j'ai peur que sinon ils fassent absolument rien pour éviter. Donc on va s'en faire dégommer trop, quoi. Alors que là, ils vont faire des manœuvres et puis après, ils reprendront leur trajectoire. Donc, ils ont tous une trajectoire. Voilà, bah ça va se passer pendant son tour. Et normalement, je récupère. Ah oui, mais attention, s'ils vont tous à 415. S'ils vont tous à 405. Eh oui. Ils vont trop vite. Ça va se passer pendant son tour.
non, 140, c'est bon là. C'est bon pour les 138. Ouais, ils vont être par là. Ils ont tiré leurs missiles déjà. Hein. Mais les missiles ne seront pas arrivés. On n'a pas trop le choix en fait. Hein. Avec 415. Oh putain, c'est compliqué les mecs. Ah, je fais gaffe que c'est le tournoi. Hein. Donc 138, 140, tu vois. Ils vont faire 140. Donc ils seront largement au-delà de leur point de tir. Hein. Ils auront déjà fait demi-tour. Ils auront lâché leurs missiles. Par contre, les missiles ne seront pas arrivés. Ouais, bah, j'ai pas le choix. Hein. Les missiles vont être là. On va constater le truc, mais ils vont tirer les missiles. Il faudrait que je puisse les ralentir un petit peu, mais j'ai pas trop envie de prendre le risque de jouer avec ça là. J'ai pas confiance du tout dans ce machin là. J'ai peur que ça me foute un Loiter par exemple et qu'ils arrivent vraiment trop tard quoi. Mais quoi que s'ils arrivaient à Loiter ce serait pas plus mal finalement parce que regarde ils feraient 100 donc ils seraient presque en mesure de tirer quoi. Mais non mais il n'y a pas de raison, 400 c'est 400. Ah, c'est F14 c'est bon. Ça c'est Corsair on s'en fout. Il passe à 200 pieds. Ça, c'est les Shrike. Alors pourquoi je ne les ai pas mis à 200 pieds, eux? Ils passent à 200. Ça, c'est les Corsaires avec les Walleye. Donc eux, ils passent à 10 000. Ça, c'est qui? Ouais, mais ça c'est les Lint, donc ils passent à Military, ouais. Ils partent devant eux. Ils vont aller se faire canarder devant. Et eux, c'est pareil, ils partent à Military, à 520. Et eux... Eh non, on va les laisser à 415. On va les laisser à 415. 415, ça va faire 138. Attends, je vais vérifier quand même. 200 pieds. Ils seront par là à la cambrage. Donc ils auront déjà tiré alors. Ils auront déjà tiré, mais c'est bon. Ah oui, mais je leur ai viré leur trajectoire du coup. Donc ils passent à 200 et ils restent à cruise. On s'en fout. On s'en fout. Ah oui, on s'en fout, mais alors pas du tout. Les Walleye. Il faut les mettre plus par là. Hein. Ça, c'est Shrike. Pareil, un peu plus comme ça.
ça c'est F14, donc c'est pas grave. Et ça c'est des Shrike qui vont bien à 200. Pour Shrike ça va à 200, hein, c'est ça? 200 feet. Et où ils sont à 415. Donc ils seront là. Les Shrike, ils ont pas un range. Donc les Shrike, c'est bon, là. Le range, c'est là. Ils tirent à 25, je crois. Ouais, donc. Eux, il faut qu'ils servent de chair à canon. 415. Bon, et la dernière chose. Lui, c'est un peu trop tôt pour tirer, quoi. C'est un peu trop tôt pour tirer. Là, à la fin du tour, eux ils vont tirer, ils sont là-bas, ils envoient leur frappe. Mais si je tire maintenant, comme ça va à 500, en 20 minutes, ils vont faire 500 divisé par 3. 166. Donc à la fin de son tour, ils auront déjà tiré. Donc c'est pas bon quoi. C'est pas bon quoi, putain. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est un poil trop tôt quoi. Ils seront arrivés, ils se seront fait dégommer déjà. Et si je donne un waypoint, je peux pas donner un ordre de tir dans le waypoint. Il faut que je tire maintenant ou dans 20 minutes. Ceci dit, ils vont faire une trajectoire détournée, donc ils vont prendre plus que 150. Mais bon, ça va pas changer le problème, quoi. Parce que, enfin, ils arrivent à peu près à la même vitesse que les avions, hein. Ah non, ils sont plus rapides en plus. Ouais, putain, ils sont plus rapides. Il aurait fallu que je m'éloigne, en fait, que je vienne par là m'éloigner pour avoir une frappe synchro. Et si j'attends 20 minutes. Donc eux, ils seront tous là, ils vont tous avoir tiré leurs missiles, et lui, il tire après coup. Donc les missiles vont arriver, les TASM seront arrivés après coup. Je vais pas pouvoir synchroniser les TASM et la frappe, ce qui est mais malheureux, mais vraiment malheureux, quoi. Nœuds, rien à faire, 500 nœuds. Cents miles par heure. Je peux beau le recalculer 40 000 fois, ça va pas changer quoi. En 20 minutes, ils vont faire 160. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, eux, ils n'auront pas encore tiré, ou certains auront commencé à tirer. Là, ils seront déjà arrivés. Alors que les premiers à tirer, là, ça va être qui? Ça va être les Shrike. S'ils tirent les Shrike, parce que j'ai pas confiance du tout dans les ARM, moi. Bon, ceci dit, ils ont mis leur. Ils ont dû nous détecter là. Ah non? Ah ben pourquoi là il le met pas? Tout à l'heure, il le mettait. Bon, ben on n'a pas le choix, hein. Il faut envoyer les TASM maintenant. Hein. Si j'attends dans 20 minutes, ce sera trop tard. Est-ce qu'il vaut mieux envoyer les TASM sur une flotte fraîche ou sur une flotte qui a peut-être plus rien d'ailleurs, hein?
qui a peut-être plus rien. Qui n'a peut-être plus rien, quoi. Ils vont peut-être envoyer tout, ils auront peut-être caché tous leurs missiles. Dans 20 minutes, à la fin de son tour, nous on est là, tous nos avions sont là, et ils ont envoyé leurs missiles. Et si eux, si les TAS m'arrivent plus tard. Parce que après les harpoons, ils vont à quelle vitesse les harpoons? Pareil, je crois que ça va pas très vite les harpoons, hein. Un peu plus, 570. Ah putain la poisse. Je sais pas si je tire maintenant ou si je tire après. Il va me les intercepter tous là, les 8. En plus, ils ont même pas tiré un paquet de 8, c'est deux paquets de 4, je crois. Si j'envoie les tasses maintenant. Ils se font dégommer, c'est sûr. Maintenant, ça va lui gaspiller un certain nombre de missiles pour les avoir. Alors que si je le garde dans 20 minutes, non, il vaut mieux, ça va, ils vont arriver. Il y aura pas, c'est pas complètement groupé, mais sinon ça va être trop décalé. Si j'attends, ça sera beaucoup trop décalé. Donc allez, j'envoie maintenant. J'envoie les 8 TASM maintenant sur le porte-avions. Sur le USS Rangers. C'est les harpoons que j'ai envoyé là, attention. Ouais, ben j'envoie tout de toute façon. Ah oui, c'est pour ça, il y a 4. Les harpoons, ils vont pas pouvoir décoller, hein. Les harpoons, ça sert à rien de les mettre, hein. C'est les 8 tasses qu'il faut mettre. Les harpoons, il pourra pas les tirer, il est trop loin. Et ouais, il faut être à 65. Les harpoons, il faut être à 65. Hein. C'est les mêmes. 65. Donc on a bien 8 Tomahawk. Ben, on va voir si ça va foirer ou pas. J'espère que j'ai rien oublié d'important. L'essentiel, c'est tous une trajectoire, quoi. Ça, c'est le plus important. Bon, bah allez, si on va envoyer comme ça, hein. Est-ce que j'ai bien ordonné là sur mon porte-avions d'envoyer deux ASW de plus? Ouais, taking off.
D'ailleurs, je ne vais pas les envoyer sur la grande, je vais les envoyer sur la petite. Sur SW Fleet. Parce qu'il y a mon sous-marin qui est pas loin là-bas. SW Fleet. Vérifier rapidement les SW Fleet. Oui, ça on laisse là, on laisse le refuel là. Alors. Et ASW Sud, ils ont bien le refueling aussi. Yes. Et refuel allons. Bon, bah, j'espère que j'ai rien oublié. On verra bien. Si j'ai fait une erreur, ben, je m'en mordrai les doigts. Tant pis, hein, ce n'est qu'un jeu. C'est ce qu'il faut se dire. Mon but, c'était de passer le premier tour. J'y croyais pas, quoi. Alors, bon, mais j'aimerais bien passer le deuxième tour quand même. Franchement. Bon, ben, je pense que j'ai tout fait. Je pense que j'ai rien oublié. Alors, je vais envoyer comme ça. Ouais, je sais, je prends du temps. Hein, mais bon, les gars, il y a une pression pas possible. Quand tu fais des tournois comme ça, il y a une pression, mais pas possible. Pas possible. Bon, ben on verra bien s'il y a quelque chose qui merde ou pas. Allez, c'est parti. Ok, les gars, merci d'avoir suivi ce tour et je vous dis à très bientôt pour tout va se jouer dans le tour prochain, quoi. La partie va se décider dans le tour prochain, en principe. Allez, à bientôt. Ciao.